Allô des indices terrain, allô des indices terrain, êtes-vous sur écoute, parlez, êtes-vous sur écoute, parlez. Terrain ici des Z, je vous entends fort et clair, parlez. Des indices terrain, relais message. Les analyses cinématographiques et La France en marche réalisent un reportage filmé sur le rondaillon parachutiste de choc. Réalisateur Georges Rosé. Opérateur Félix Forestier, Pierre Levent, assistant Claude Bélanger, monteuse Marguerite Vauger. Bataillon du ciel, démon de l'aube, nous n'entrerons pas ce jour dans votre légende, nous ne lirons pas le livre d'or de vos exploits, notre tâche est plus simple. Décrire en quelques images votre rude apprentissage et montrer comment, avec de jeunes Français qui ont choisi de faire leur temps dans ces bataillons d'élite, ont fait des parachutistes. Des bataillons parachutistes, il y en a un peu partout en France. Celui-ci tient garnison dans le Midi, en trois places que l'œil de Vauban a déterminées avec sa sûreté coutumière. En plaine, cette vieille cité dont le Castillet n'est plus assiégé que par la ville commerçante. En montagne, cette forteresse tapie dans le grandiose décor des Pyrénées. Sur la mer, près d'une station animée en été, ce port de pêche où les étraves des barques se découpent sur des ponts de châteaux et de très vieilles pierres. Plaine, montagne et mer correspondent aux trois sortes d'entraînement auxquels le futur parachutiste sera soumis. Un jour, avec un camarade, tu as gravi pour la première fois le chemin de la citadelle. Dans ces vieilles murailles, où tu es entré un peu anxieux, c'est la voile claire des parachutes qui t'accueille, promesse d'évasion dans le ciel. Au lieu d'un canot, un béret. Sur ta poitrine, l'insigne du bataillon, dont tu connaîtras bientôt la devise éloquente, la tienne désormais, qui ose, gagne. Te voici intégré à un petit groupe d'hommes, le STIC, l'équipe par excellence, groupe homogène de gars dont tu vas pendant des mois partager totalement l'existence, joies et rognes, tout ensemble, tout en commun, pour ne faire, sous les ordres de ton chef, qu'un point prêt à frapper. En commun, travaux et détente. En commun également, les inévitables corvées de la vie militaire, certaines traînant parfois en longueur. Ton entraînement commence. Éducation physique, bien entendu, mais surtout parcours du combattant. Le parcours, une petite promenade de plusieurs centaines de mètres qui te réserve un choix particulièrement bien étudié d'embûches et de vacheries. Résumé de tous les accidents de terrain qu'un guerrier peut rencontrer. Préparez-vous. 5, 4, 3, 2, 1, partez! Une gentille petite promenade en plein soleil sous l'obsédant contrôle du chronomètre. Thank you.
acquiert ainsi l'endurance. Parallèlement, apprend à sauter. Répète 1000 fois les mêmes mouvements qui développeront en toi les réflexes indispensables que tu dois avoir à la sortie de l'avion. Orientation à la descente. Go! Et roulez-boulez à l'atterrissage. Au bout de quelques semaines, tes chefs jugent que ta forme physique, ton tonus moral et tes connaissances techniques te permettent de t'aligner avec tes camarades sur l'aire de départ. Vérification et mise en place des deux parachutes, le dorsal et le ventral, parachute de secours. Un peu sévère, mais tu es tombé comme on te l'avait appris et tu ne seras pas loin à te remettre sur pied. Un premier saut, ça s'arrose. Et avec ceux qui ont, comme toi, reçu le baptême du go, tu paieras à boire aux anciens. Heure de détente, où tu goûteras le bonheur d'être libre, après d'être soumis tout entier à une discipline très stricte. Tu as le choix. Charme de la lecture. Effusion du courrier. Distraction bruyante. Changement de décor. Les camions grimpent vers le fort, vers l'école de haute montagne, les sommets, les longues courses, vers la neige et le ski.
ma vieille citadelle, tu connaîtras un autre parcours du combattant. Moins haletant, moins pénible peut-être que le premier, mais où tu apprendras l'équilibre et l'adresse. L'art de sauter exactement là où il faut, de placer ton pied au bon endroit. Ténacité, la montagne. Non seulement pour que le parachutiste soit un homme capable sur tout terrain, mais aussi parce que la montagne forme des hommes. Silence blanc, enivrante descente. La mer, une autre vie, une nouvelle série d'exercices. Troisième élément, l'eau, complète ton éducation sportive. Familiarise ici avec une nouvelle prouesse, le saut en mer. Pourquoi sauter en mer?
Parce que cette éventualité peut se présenter. Parce que, même sautant au-dessus de la terre ferme, un parachutiste n'est jamais sûr d'éviter un plan d'eau, étang, lac ou fleuve. En pareil cas, le parachutiste doit arriver dans l'eau dégagé des harnais de son parachute. Mieux encore, s'il est bien entraîné, il lâche les suspentes avant de toucher l'eau. Sans agir ainsi, on risquerait d'être traîné sous l'eau par la voilure, surtout si la brise est forte. Dans le cas présent, l'homme a très bien sauté. Seul, les harnais et le parachute de secours s'enfoncent, mais l'image illustre nettement les raisons qui font du dégrappage en l'air une nécessité. Ces vues, prises au ralenti, permettent de mieux suivre le dégrappage en cours de descente, opération assez délicate. Au cours du saut, le parachutiste détache ses cuissards. Il se dégage ensuite du harnais et ne reste plus suspendu que par les mains. Demain, ce sera ton tour. Mais ton sommeil est agité. Peut-être crains-tu de rater la mer et de troubler les paisibles ébats des baigneurs. À moins qu'un miracle ne vienne te tirer de cette fâcheuse position. Mais tu peux y aller avec confiance. Ton chef te donne l'exemple. Il va sauter le premier. Vas-y, un claquement, la voilure s'est ouverte. Dans un calme et un silence absolu,
La mer monte vers toi. Commençons à recevoir les gars qui descendent vers nous. Minute inoubliable de possession du monde. L'eau. Tu n'as pas, à ta première rencontre avec elle, la virtuosité et l'audace des anciens. Mais si tu n'as pas su te dégrapper à temps, les canaux pneumatiques sont là pour te repêcher. Spectacle digne d'inspirer le talent d'un Willy Mucha. Le gilet pneumatique, ironiquement baptisé la Mae West, te soutient la tête pendant que tu enfiles tes palmes de nage. La fin de l'exercice comporte le débarquement sur les rochers et la progression vers un petit fortin perché sur la falaise. Trempé, secoué par ton premier saut en mer, fatigué par une nage de 300 ou 400 mètres en treillis et casque, rassemble tes forces pour un dernier élan. Voilà l'école de la grandeur. Serre les dents. Et par ta seule volonté, monte. Monte, ardent et joyeux quand même. Monte vers ton idéal, plus riche de pureté, de cette absolue pureté que donne l'effort.